Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. La Procure, qui coproduit cette émission avec KTO et le Jour du Seigneur, nous accueille comme chaque mois dans ce somptueux décor et vrai décor de livres. Une soirée très intéressante, nous allons aborder encore une fois, mais sous des angles nouveaux, la question centrale de la présence au fond chrétienne dans la société, sous l'angle politique, sous l'angle culturel et sous l'angle bioéthique, sous l'angle éthique. Quelle place finalement, quel est le rôle au fond des chrétiens dans la société française? Denis Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un chercheur spécialiste de l'histoire du catholicisme, directeur des études à l'école pratique des hautes études à Paris, vous êtes historien et vous publiez chez Albin Michel un magistral ouvrage qui dit tout dans son titre, « Les catholiques en France de 1789 à nos jours », donc chez Albin Michel. Et la promesse du titre est tenue parce que vous nous emmenez en trois siècles, 18e, 19e et 20e siècle, dans cette histoire mouvementée où les catholiques, finalement, on va en parler évidemment au cours du débat, semblent abandonner, quoique, une partie ou une forme, en tout cas, du pouvoir politique. Donc c'est remarquablement documenté, un livre d'historien patenté, très rigoureux, parfois discutable sur les questions de spiritualité, on l'abordera tout à l'heure, mais ça c'est un sujet particulier. Mais je disais, c'est vraiment un livre magistral et finalement en vous lisant sur hier, on comprend mieux aujourd'hui. Philippe Verdun, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes dominicain, votre vêtement l'indique. Écrivain prolixe, vous avez écrit des essais, des romans, dont ce dernier, Mon précieux, Bonne nouvelle en terre du milieu, c'est le sous-titre, au CERF, donc qui nous compte finalement deux choses. Un homme, un écrivain anglais, Tolkien, et son ouvrage incroyable, Le Seigneur des Anneaux, qui est un des ouvrages les plus vendus dans le monde, on en parlera également tout à l'heure, un roman chrétien, un roman inspiré, une sorte de parabole, et vous expliquez comment cette fresque finalement nous conduit à toucher un mystère qui est au-delà des apparences des différents personnages, parfois fantastiques de cette œuvre. Donc ce phénomène culturel, hein, ce roman le plus lu dans le monde est aussi un phénomène chrétien, une sorte exemple pour aujourd'hui, donc ce livre d'introduction, il y a une grande exposition sur le sujet à Paris, mais c'est vraiment un livre d'introduction qui est extrêmement, extrêmement captivant. Lou Bémond de Senil, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à La Croix, titulaire de la rubrique bioéthique, autant dire un secteur un peu complexe, mais dont l'enjeu est vraiment capital, et c'est de cette expérience que vous tirez un livre très bien informé sur la révision des lois de bioéthique. Alors ne fuyez pas, c'est un sujet qui paraît inabordable, mais justement, vous arrivez à le rendre simple et on comprend, parce que vous avez visité finalement les différents camps, en partie, le gouvernement, les milieux catholiques, les milieux progressistes, qui ont voulu influencer dans tel ou tel sens cette révision de loi bioéthique. Et donc là, on comprend enfin ce débat, vraiment très bien informé. Vous terminez le livre par une longue interview de Martin Stephens, qui est un philosophe que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises sur ce plateau et que nous apprécions beaucoup, et qui donne aussi une dimension métaphysique, intellectuelle à ce débat qui a agité la France récemment. Alors le titre est un petit peu inquiétant, hein. « Et si c'était la fin d'un monde ?» Enquête et entretien sur la bioéthique 2020. Le dossier est vraiment passionnant, utile, indispensable, donc ne vous arrêtez pas au titre, c'est publié chez Bayard. Voilà donc les trois livres à leurs auteurs qui vont animer cette soirée avec vous, pour vous. Nous commençons comme chaque mois par l'actualité du libraire que Mathilde Mailleux nous présente.
L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, c'est certainement un appel, une proposition pour faire une pause, voir la vie d'une autre façon. C'est ce que nous propose Sœur Catherine, avec Récit d'une ermite de montagne publié aux éditions du Relier. Alors je dois vous le dire que j'ai eu vraiment une lecture saisissante en lisant ce livre, parce que c'est vraiment un récit vrai. Un récit fort, un récit complètement à contre-courant de ce que nous avons l'habitude de vivre ou ce que certainement nous vivons tous. Être ermite aujourd'hui, ça n'est pas chose facile. Et certainement, cela suscite beaucoup d'incompréhension. Mais nous allons expliquer, nous allons comprendre tout cela à travers cette lecture. Sœur Catherine, donc, a vécu une conversion fulgurante étant toute jeune femme. Et elle a décidé de répondre à un désir très fort et un appel surtout, celui de devenir ermite. Alors vous allez découvrir à travers ce livre eh bien, le quotidien d'une ermite en haute montagne, l'âpreté de la vie, la radicalité aussi, les jours qui se succèdent, les saisons aussi, plus ou moins difficiles, et puis la joie qui transcende tout, la confiance en son Créateur. C'est un témoignage qui nous invite à penser autrement et surtout nous invite à faire un pas de côté. Un pas de côté, c'est également ce que nous invite à faire Mayol Jamin à travers son livre « À la découverte de la sobriété heureuse » publié aux éditions du Cerf. Mayol Jamin est un collaborateur de la revue Limite et il est parti pendant un an à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, en France, ont décidé d'opter pour un choix de vie complètement radicalement différent. Ils ont décidé de se mettre à l'unisson avec la création et le Créateur pour certains, pas pour tous, mais surtout ils ont décidé de retrouver une unité de vie. Alors ce qui frappe à cette lecture, c'est qu'ils sont tous heureux, heureux et satisfaits d'avoir fait ce choix de vie. C'est un livre qui fait aussi beaucoup poser de questions, car ils ont tous le souci, et ça ils l'ont tous en commun, le souci de préserver la nature, de préserver la terre, de vivre plus sobrement, avec plus d'humilité, et surtout de léguer la terre aux enfants de façon plus heureuse. Notre Mère la Terre, justement, c'est le pape François qui nous invite à travers ce recueil de textes inédits publié aux éditions Salvator, eh bien, poursuivre notre réflexion et l'élan qu'il a impulsé avec l'encyclique Laudate Si, ce texte à portée universelle aujourd'hui, un texte donc, ou des textes qui ici nous invitent vraiment à penser notre Terre et à la sauvegarder. François d'Assise, à présent, avec ce commentaire du Notre Père publié aux éditions du Cerf, un texte merveilleux, très concis mais avec beaucoup de saveur, très intense, qui nous exhorte, nous, eh bien, à suivre Dieu en toutes choses à travers la prière universelle du Notre Père. C'est un texte médiéval, donc attribué à saint François d'Assise, découvert complètement par hasard dans une bibliothèque il y a quelques années. C'est un texte, encore là, une fois, très important. « Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien » de Jacqueline Kellen aux éditions du Cerf. Là encore, une méditation spirituelle et philosophique sur un texte très important qui nous concerne tous et qui nous parle tous en fait. Il s'agit de la parabole du fils prodigue, une très belle méditation magnifiquement bien écrite qui certainement parlera à tout à chacun. Et puis enfin pour terminer, un très beau texte du père Pascalide qui encore une fois fait mouche à travers cet ouvrage « Aimer l'autre sans l'utiliser ». Il nous invite à une véritable conversion avec nous-mêmes, mais aussi avec nos proches, nos amis et aussi avec Dieu, bien sûr. Et c'est publié aux éditions Emmanuel. Merci Mathilde pour cette présentation toujours exhaustive de l'actualité du libraire. Denis Pelletier, donc vous publiez « Les catholiques en France de 1789 à nos jours » chez Albin Michel, une très jolie couverture avec Notre-Dame de Paris. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes un historien, donc scientifique, et d'ailleurs le livre le prouve, mais vous avez aussi un parcours. Quel est au fond, comment expliqueriez-vous votre attirance, s'il y en a une, pour le monde catholique? Parce que vous êtes un des historiens du sujet en France. Ah, ça c'est une bonne question. Le monde catholique, je le connais de l'intérieur, par culture, par éducation. Et donc je pense que ça joue forcément un rôle dans le fait que je m'y intéresse comme historien. Ensuite je le trouve extrêmement précieux pour comprendre à la fois en tant que monde, l'Église c'est un monde, hein, disait Émile Poulla, en tant que monde avec ses règles propres, son organisation propre, et parce qu'il est aussi un observatoire très intéressant des évolutions de la société.
pour le dire très vite, les catholiques sont des gens qui sont à la fois entièrement engagés dans la société française, les catholiques français, et qui en même temps sont en permanence gouvernés aussi par une loi qui n'est pas la loi, on va dire, séculière. Et ça fabrique une forme d'inconfort qui fait d'eux des très bons sismographes de la société. Dès qu'il se passe quelque chose, ils réagissent. Alors vous avez branché votre sismographe sur 3 siècles quasiment, enfin, un siècle finissant, le 18e, la Révolution française, et puis ce 19e siècle explosif, on arrive à 1905, et vous nous racontez ça à la fois de façon très, je le disais tout à l'heure, très documentée, parce que vraiment tout y est, donc les gens qui veulent vraiment creuser cette période, comprendre la situation actuelle s'y retrouvent, et puis c'est un récit. Alors, pourquoi faire un tel livre maintenant ? D'abord, un historien, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Moi, j'aime bien, j'avais envie que ça soit un récit, j'avais envie que ça soit une histoire. Et pourquoi le faire maintenant ? Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur les années 68. Dans les années 68, il y a tout un discours qui se développait avec l'idée que les religions étaient en train de disparaître de la société française. Et voilà, et on voit que non. Et comme je suis un historien laïque, Dieu n'est pas un moteur de l'histoire pour moi. Il faut bien que j'explique cette résistance. Il faut bien que j'explique comment ce monde continue d'exister. Et on parle beaucoup de crise aujourd'hui, et je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre. Je ne nie pas qu'il y ait une crise, qu'il y ait des difficultés, mais je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre la façon dont le catholicisme s'est réenclenché sur une société qui avait elle-même énormément bougé. Et pour comprendre cette actualité, pour comprendre ce réenclenchement, il faut lui donner un peu d'épaisseur d'histoire. Sur le fond, ce que je pense, c'est qu'il y a un catholicisme français qui s'est mis en place. Le catholicisme, tout le monde sait ce que c'est, ça a 2000 ans, très bien. Mais il y a une configuration du catholicisme français qui date de la Révolution française, qui, je pense, s'est effondrée dans les années 60-70. Et il y a autre chose qui s'invente. Et c'est cette bascule d'un moment à l'autre qui m'intéresse. D'où ce découpage, parce qu'on pourrait... Enfin, je me suis demandé pourquoi commencer en 1789. Ouais. Vous auriez pu... J'aurais pu commencer au Concile de Trente, j'aurais pu commencer aux guerres de religion et j'aurais pu commencer plus tard en 1905. Ouais. 1790, la Révolution française, c'est intéressant parce que pour au moins 3 raisons, je vais le dire très vite. Premièrement, c'est effectivement une vraie rupture. Le passage de la monarchie de droit divin à la souveraineté populaire. C'est plus Dieu qui informe la société, enfin, c'est plus Dieu qui crée le pouvoir, c'est la souveraineté populaire. Ça, c'est une vraie rupture, même si le catholicisme d'avant 89 n'était pas aussi unanime qu'on le pense. Hein. Deuxièmement, il y a un effet de mémoire, et je pense qu'une partie du catholicisme contemporain est marquée par la mémoire de la Révolution française comme mémoire traumatisante. Et que ça joue énormément. Encore aujourd'hui, il faut rappeler que le cardinal Lustiger, en 1989, avait refusé de participer aux commémorations de 1789. Hein, pour des raisons complexes, mais il avait quand même posé l'acte. Ça veut dire qu'il y a encore une actualité. Ouais. Hein, et c'était pas... enfin, il connaissait cette histoire. Hein, donc, et la troisième raison qui, moi, m'importe beaucoup, c'est que je pense que la reconstruction du catholicisme français après la Révolution joue encore un rôle aujourd'hui. La manière dont le catholicisme s'est reconstruit a joué un rôle pendant très longtemps. On va parler de reconstruction. Tout à l'heure, vous disiez finalement ce réenclenchement. Mmh. Alors, il y a une question dans votre ouvrage. Vous utilisez le mot plus qu'un retour du religieux, on assiste à un retour de la question religieuse. Quelle est la différence au fond ? Parce que je suis... Pour tout un chacun, ceux qui nous regardent ce soir, on sent bien qu'il y a quelque chose qui revient. Alors ça revient notamment par la question de l'islam en France, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Je pense que le retour de la question religieuse et non pas le retour du religieux. Je pense que le religieux n'a pas disparu. Je pense que ce qui a bougé à un moment, c'est, encore une fois, c'est une certaine configuration. C'est-à-dire une certaine relation entre le religieux et la société française dans son ensemble, ou les sociétés européennes, peu importe. Hein. Donc, c'est pas le religieux qui disparaît, c'est une certaine configuration. Sur le moment, on a l'impression que quelque chose s'effondre. Mais en fait, c'est des jeux de déplacement, de redéfinition. Et donc, je pense pas qu'il y ait de disparition du religieux, donc il n'y a pas de retour. En revanche, il y a un retour de la question religieuse, c'est-à-dire que
à l'échelle française comme à l'échelle mondiale, l'effondrement du bloc de l'Est, la fin d'affrontement Est-Ouest a redonné à la question religieuse une dimension beaucoup plus centrale qu'auparavant. Ça oui. Et donc c'est la question religieuse qui revient. Et qu'en est-il de cette, justement le point juste que vous venez d'évoquer, c'était cette sorte de permanence. Alors je vais poser la question du catholicisme en France, qui aurait pu s'écrouler à plusieurs, et là vous le racontez magistralement. Comment expliquez-vous cette résistance, je ne sais même pas comment la qualifier, qui fait que le catholicisme aujourd'hui, malgré toutes ces épreuves, malgré tous ces combats, est là, existe toujours en France, on le verra tout à l'heure avec le dernier livre notamment. Je n'ai pas de réponse à la question du pourquoi. J'ai peut-être une réponse à la question du comment. Il est toujours là. C'est-à-dire, je pense que la manière dont la société française conçoit son espace commun, sa vie commune, en quelque sorte, est très profondément marquée par l'héritage du catholicisme. Je crois aussi que, vous voyez, je prends l'exemple de la République laïque. La République laïque, celle de 1905, avec le système laïque à la française, qui est un système de séparation dont on sait qu'il est plus radical que la plupart des autres pays européens. En même temps, les républicains qui font la séparation, qui sont pour un certain nombre d'entre eux anticléricaux, font de l'enseignement de l'histoire une base de l'apprentissage de la citoyenneté. Ils savent très bien, quand ils font ça, que l'apprentissage de l'histoire de France va confronter tous les élèves à la question religieuse, c'est-à-dire à la question catholique. Et donc, dans notre univers républicain, la question catholique, c'est une sorte d'épreuve, c'est une sorte de mise à l'épreuve, à laquelle on peut s'intéresser, soit parce qu'on en est, soit parce qu'il faut la dépasser et qu'on s'en sépare, mais c'est une espèce de mise à l'épreuve, d'épreuve permanente. Et donc je pense que de ce point de vue-là, ce dispositif continue de fonctionner. Et il peut fonctionner d'une certaine manière lorsque le catholicisme est majoritaire dans la société, et puis, voilà, on peut dire que le catholicisme, en tout cas le catholicisme pratiquant, est devenu minoritaire, mais ça ne veut pas dire que la chose ne continue pas de fonctionner. Alors pour autant, il y a effectivement, ça apparaît très nettement dans le livre, c'est ce lent, alors cette permanence, puis en même temps ce lent processus de déchristianisation qui n'est pas lié à 1905, pas forcément à la Révolution, vous l'expliquez aussi très bien, il y a des régions, il y a des nuances, il y a des raisons pour lesquelles la foi se perd, la foi chrétienne, ou parce qu'on en a fait d'ailleurs un mythe, vous le dites aussi. Comment, au fond, est-ce que la déchristianisation est un état permanent du christianisme en France? On va rester à la période contemporaine, c'est-à-dire depuis 1789. Avec des hauts et des bas, il y a un phénomène de déchristianisation ou de sécularisation, c'est un terme que je n'utilise pas trop, mais qui fonctionne bien, avec ce traumatisme fondateur de 1789 qui fait que les catholiques français ont tendance à renvoyer cette déchristianisation à l'événement révolutionnaire. En fait, les historiens vous disent que ça a commencé au 18e, et les médiévistes disent aux historiens du 18e, non, ça a commencé avant. Donc les choses sont jamais aussi simples. Mais je pense que 89 est vraiment une rupture, et surtout, c'est une rupture qui fonctionne en termes d'actualisation d'une mémoire. Donc je pense qu'il y a effectivement ça. C'est vrai, il y a cette forme de, alors on peut dire de déclin, et si on l'analyse de l'intérieur du catholicisme, le catholicisme, il faut toujours le prendre à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, je pense. Si vous l'analysez d'un point de vue intérieur, oui, tous les acteurs ont le sentiment qu'ils sont en train de perdre quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se perd. Et si vous essayez de l'analyser de l'extérieur, vous constatez effectivement qu'il y a ça, mais vous essayez aussi de comprendre comment, à travers ces phénomènes de perte, de déchristianisation, de baisse de la pratique, etc., continue de se nouer une relation assez forte entre l'Église catholique et la société française. Quand bien même la société française n'est plus catholique. Regardez l'histoire de Notre-Dame de Paris, l'année dernière, cette espèce d'émotion incroyable. Ouais. Enfin. Et des rebondissements, alors la fin du 18e, bon, il y a la restauration, tout ça, mais des rebondissements incroyables. Alors, la politique s'en mêle, elle soutient l'Église, mais enfin, il y avait combien de paroisses en 1795 et combien en 1880, enfin,
Ah, alors en 1795, je n'ai plus le chiffre exact, mais je pense qu'on devait être autour de 60 000, 70 000. Et qu'en 1880, on est encore à 50 000. Il y a eu un effondrement pendant la Révolution française. Oui, mais alors, il y avait combien de prêtres à la fin de la Révolution? Tout était exact. À la fin de la Révolution, il y a quasiment plus de prêtres. Enfin, surtout, on n'arrive plus à compter les prêtres parce que la plupart d'entre eux ont disparu. Ils ont disparu du viseur. Enfin, l'Empire cherche à. Le Premier Empire cherche à compter ses prêtres et il n'y arrive pas. Hein, donc il y a une forme de disparition. Et ensuite, il y a une reconstruction qui se fait en une quarantaine d'années. On peut dire qu'en 1848, le clergé français est à peu près reconstitué. Ouais. Mais le sacerdoce semble, à vous lire, aussi toujours en crise. Il y a des moments florissants, des moments de baisse. Vous savez, l'histoire, quand on essaye. Georges Bataille disait, qui connaissait bien le christianisme, Georges Bataille disait, l'historien, il faut qu'il insiste sur les arêtes. Quand on fait de l'histoire, on met en avant les choses qui posent problème, parce que c'est ça qui permet d'avancer le récit, de faire avancer le récit, et c'est important. Mais oui, bien sûr, la figure du prêtre séparé du monde, qui nous vient, qui est si marquante au XIXe siècle, il faut la faire fonctionner en même temps que l'ensemble des catholiques font partie de cette société et ont la ferme intention d'y peser. Et donc, d'emblée, il y a une véritable difficulté, c'est-à-dire le prêtre est à la fois un personnage séparé du monde et une sorte de médiation entre les croyants et le ciel, enfin et Dieu. Et en même temps, il a une fonction au XIXe de notable local. Il a une fonction de responsable local. Il est utile. Enfin, il a une utilité sociale. Il n'a pas seulement une utilité religieuse. Et ça crée du conflit en permanence. Alors, qu'est-ce que notre prêtre, si vous permettez, vous êtes prêtre dominicain, comment vous percevez, c'est d'abord l'entreprise, parce que c'est un livre, quand même, un livre d'histoire très très fouillé, et puis quelques éléments sur par exemple la question du sacerdoce. Alors c'est évidemment un travail remarquable. Bon, Denis Pelletier est très connu. Hein. J'ai lu avec passion, intérêt, j'ai compris plein de choses sur ce que vit, par exemple, mon ordre des Dominicains après avoir lu La crise catholique, un livre précédent de Denis Pelletier. Et on retrouve beaucoup d'éléments. Moi, j'ai appris plein de choses aussi dans ce livre, alors que je me piquais de connaître bien l'histoire contemporaine de l'Église en France. Donc on apprend plein de choses. Non, c'est évidemment un livre de référence. Alors évidemment, moi j'aborde ces trois siècles d'une manière complètement différente, parce que moi justement je pense, à l'inverse de ce que vous avez dit, que c'est Dieu qui fait l'histoire et c'est Dieu qui fait le monde. Et moi ce qui m'intéresse c'est pas trop le comment, c'est plus le pourquoi. Donc on est complémentaire, hein. il n'y a pas d'opposition, y compris sur les analyses de Denis Pelletier. Mais c'est typique que ce livre, par exemple, le mot Dieu, je pense, n'apparaît pas avant la page 50. Vous voyez, justement, on parle d'un livre sur les catholiques. Les catholiques français, si tu leur demandes ce qui fait leur passion, leur vie, ils te diront mon précieux ou mon trésor. C'est le Christ, c'est Dieu, c'est ça qui fait. Est-ce que le livre est trop chimiquement pur, comme un historien qui prendrait avec des pincettes la question spirituelle ou la question de Dieu? Trop non, c'est un genre de. On peut peut-être regretter que une part des excellents historiens d'histoire religieuse, notamment concernant le christianisme et notamment le catholicisme en France, on a des écoles, des noms, Mayer, pour prendre les anciens, Cholvy, etc., vraiment des très grands des maîtres, quoi. Hein. Vous avez Émile Poulain, qu'on a connu, qui était un homme truculent et bourré d'idées et très grand connaisseur des crises de l'Église. Donc on a cette grande qualité, on a cette chance d'avoir des gens qui enseignent à la demande de la République l'histoire religieuse de la France avec beaucoup de compétences. Mais il y a peut-être une partie de cette historiographie qui peut-être par crainte de perdre son statut universitaire scientifique, ne veut pas toucher le cœur de l'objet. Alors, avec certainement des raisons qu'on peut argumenter. On va demander à Denis Pelletier, vous répondez à quoi sur ce sujet sur ce précis sujet. Alors, je réponds deux choses. Je réponds une chose. L'histoire, moi, je trouve l'histoire de la. Alors, d'une part, effectivement, le regard de l'historien ne sera. Il y a un écart de base que vous avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que
Pour moi, Dieu n'est pas un moteur de l'histoire. Il faut que je l'explique autrement. Je travaille dans l'université laïque, c'est très simple. La question de la spiritualité, pour moi, se pose différemment. Dans ce livre, je pense qu'il y a quand même une certaine place accordée à la spiritualité, mais je crois aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aborder à la va-vite. Et que quand vous êtes conduit à fabriquer 300 ans d'histoire en 350 pages, il y a des éléments sur lesquels il est préférable de... Il vaut mieux se taire qu'en parler trop vite. Pour moi, la vraie difficulté, c'est pas du tout botter en touche, dire ça. Hein. C'est simplement que pour moi, la vraie difficulté d'une histoire de la spiritualité, c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire de la spiritualité sans reprendre les mots de la spiritualité, en la déplaçant, sans se contenter de reprendre les mots. Comment parler de la prière sans se contenter de reprendre les mots de la prière? Et c'est extrêmement difficile pour les historiens. Michel de Certeau l'a très bien fait, par exemple. Et donc ça, c'est un sujet qui, pour moi, est extrêmement intéressant, sur lequel il m'est arrivé de travailler, il m'arrive encore de travailler. Je n'avais pas le sentiment... Le mouvement qui m'intéressait, qui était la relation entre les catholiques et la société française, ne m'a pas entraîné dans cette direction-là, ça c'est vrai. Lou Bémont, votre regard de journaliste sur cet ouvrage. Moi j'ai été frappé par deux aspects dans votre livre. D'une part, vous montrez quand même bien qu'en fait le catholicisme ne connaît pas une crise aujourd'hui, il traverse une forme d'état de crise permanent, presque de manière systémique depuis 1789. Et enfin voilà, vous expliquez bien dès le début du livre, dès la fin du 18e, voilà, il y a cette crise qui est profonde, qui touche la figure du prêtre, qui touche l'institution aussi, la manière dont elle fonctionne, la manière dont elle est perçue. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les livres qui réinjectent de la complexité dans les histoires ou dans les situations que parfois on croit trop simples. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'a frappé, c'est la préface que vous faites de votre livre, où vous racontez l'incendie de Notre-Dame et la manière dont vous avez été frappé par ce moment et où vous avez finalement rejoint les badauds qui étaient là et qui ont assisté impuissants ce soir-là à l'incendie de Notre-Dame. Et voilà, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, cet incendie et cette émotion collective qui a un peu surpris tout le monde, est-ce que ça vous a aussi surpris, vous ? Bah, bien sûr, oui. Ce qui est surprenant, l'incendie de Notre-Dame, c'est un moment, il se trouve que, prévenu du fait que Notre-Dame était en train de brûler, j'y suis allé comme un badaud, j'y suis allé comme un historien qui a envie de voir ce qu'il se passe, parce que c'est mon objet de travail aussi. Et une émotion collective, c'est une chose très étrange, et cette émotion collective il y a quelque chose qui ébranle la réflexion qu'on peut avoir sur son propre objet. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est un phénomène d'identification à un bâtiment qui brûle, mais chacun peut formuler son identification à la manière dont il le souhaite, de la manière dont il la vit, de manière très intime. C'est-à-dire chacun entretient avec Notre-Dame une relation finalement très personnelle. Et donc on voit à ce moment-là deux choses. D'une part, le catholicisme concerne encore tout le monde à travers Notre-Dame de Paris, mais du coup Notre-Dame de Paris et donc l'histoire du catholicisme n'appartient plus qu'aux seuls catholiques. C'est aussi pour ça que j'écris ce livre. Et ça c'est extrêmement important. Et on voit aussi une autre chose, c'est pas si fréquent, c'est que l'émotion de chacun vaut l'émotion des autres. L'émotion de chacun... Toutes les émotions ont la même valeur, donc toutes les paroles ont la même valeur, donc toutes les voix ont la même valeur. Et moi je connais un endroit où toutes les voix ont la même valeur, c'est le suffrage universel. Et donc la dimension profondément, pour moi, démocratique de cette forme d'émotion populaire est très intéressante. Ça ne veut pas dire que la politique ne revienne pas tout de suite après, mais à un moment il y a quelque chose de très intéressant. Alors ce petit reste, ou ce grand reste, on peut parler de patrimoine aussi, chrétien, catholique, au sens culturel, au sens politique. Quelle est sa place en France ? On va en parler avec les questions de bioéthique ou sur le plan culturel avec votre livre. Est-ce que, au fond, c'est une peine perdue ? Est-ce que c'est une cause perdue, le catholicisme aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être d'abord le père. Père. Alors, comme moi, je pense que c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc, l'histoire, elle est... configure aussi la figure du Christ, et donc en fait nous allons en permanence de mort, de déclin, en résurrection.
Et moi, j'ai l'impression, fort aussi de l'expérience de ma vie, que l'histoire du christianisme, du catholicisme en France, ce n'est pas l'histoire d'une longue, une espèce de long étiolement, longue entropie, puis ça finira peut-être par juste au fond du petit vague, petit souvenir, on aura des monuments comme ça qu'on visitera. Non, je pense qu'on a des résurrections, alors elles sont plus ou moins grandes. Il y a eu des moments incroyables au moment des grandes crises, il y a eu. La restauration autour de Chateaubriand, du génie du christianisme, une espèce de mouvement. Lacordaire qui prêche à Notre-Dame, fils de Chateaubriand, tout d'un coup, une espèce d'embrasement autour de questions pas évidentes, parce que si vous lisez les prédications de Lacordaire à Notre-Dame, c'est quand même, alors c'est un peu fouillis, mais c'est quand même charpenté, c'est quand même de la théologie. Vous avez des figures incroyables qui jaillissent de nulle part, encore récemment, je pense au cardinal Lustiger, qui était une forme de conscience, ou l'abbé Pierre, mais alors, des gens incroyables. Et moi, j'ai vécu, dans ma génération, on a vécu les JMJ de 1997, qui ont laissé pantois tout le monde, alors, y compris les pouvoirs publics, et évidemment les journalistes qui sont toujours… Monsieur l'historien, est-ce que c'est une surprise de Dieu ? Moi, il me vient deux choses. D'abord, et j'entends bien ce que vous dites, la première chose, c'est aussi une manière de répondre à cette question de la crise. Le catholicisme est lui-même très divers. C'est-à-dire que je pourrais aussi vous répondre qu'il y a peut-être d'autres manières de vivre son catholicisme que celles que vous venez de nous présenter. Et que l'une des richesses de l'histoire du catholicisme en France, c'est justement cette diversité interne. Vous le montrez très bien. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que, vous voyez, on se demande pourquoi est-ce que ça résiste, mais pour moi, la diversité interne, qui donne le sentiment de crise permanente. Mmh. Et moi, j'essaye de déplacer un peu le cursus et de dire, mais non, oui, il y a de la crise, mais si on se contente de rester collé au mot de crise, qui sursature le débat, il y a quelque chose qu'on perd, donc il faut se déplacer un tout petit peu. Et oui, il y a de la crise en permanence, depuis longtemps, mais il y a surtout du pluralisme, et ce pluralisme fabrique du débat interne, etc. Et donc, voilà, la question n'est pas, j'espère que mon livre ne donne pas l'impression d'une déliquescence permanente du catholicisme depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était franchement pas mon intention, et je ne crois pas que ce soit le propos. Mais je pense que la question pour moi ne se pose pas dans ces termes-là. Moi, ce qui continue de m'intéresser, c'est comment cet objet d'étude, puisque c'est pour moi un objet d'étude, comment cet objet d'étude continue d'être... d'avoir un rôle et une vitalité alors même qu'effectivement il est devenu minoritaire. Et oui, dans cette histoire, vous avez raison, il y a Jean-Marie Vianney, il y a Chateaubriand, il y a le premier cahier du témoignage chrétien en 1941. Il y a Péguy. Alors ça introduit magnifiquement, merci à tous les trois, Le livre suivant, le livre du père Philippe Verdun, mon précieux, sur Tolkien, parce qu'on va justement voir comment un catholique, fût-il anglais, un catholique, informe finalement la culture à travers une œuvre et qui a beaucoup d'influence aussi en France, sans être chauvin, ridiculement chauvin. Et c'est donc l'intérêt aussi de cette émission, de cette problématique en quelque sorte de la place de ces chrétiens dans la société. Mais nous retrouvons d'abord Jean-Baptiste Passé qui nous présente le coup de cœur de cette émission. Nous nous retrouvons. Restez bien avec nous. Les oiseaux volent, les poissons nagent, les hommes méditent. C'est ce que nous apprennent les pères du désert et c'est ce qu'a voulu nous rappeler Jean-Guilhem Xéry dans son dernier ouvrage « Revivez de l'intérieur » publié aux éditions du Cerf et qui est notre coup de cœur du mois. À l'heure du développement personnel, ce livre s'appuie d'abord sur la formation académique de l'auteur, puisqu'il est psychanalyste et thérapeute, sur sa solide expérience de la médecine du corps et de l'âme, mais surtout sur la sagesse des pères du désert, ces premiers moines chrétiens du 3e et 4e siècle. Ce livre est la suite, ou plus précisément encore, la mise en pratique de « Prenez soin de votre âme », le précédent ouvrage de Jean-Guilhem Xéry, pour lequel nous l'avions invité sur le plateau.
Ce livre a été un vrai succès, un vrai phénomène de librairie, et c'est précisément pour répondre aux questions, aux sollicitations de ses nombreux lecteurs, lors de dédicaces, lors de rencontres, que Jean-Guilhem Xéry a souhaité écrire ce nouveau livre. Alors ce livre, justement, il est structuré autour de 10 chapitres. Je vous lis les titres de quelques-uns de ces chapitres. « Ton intérieur, tu dépollueras »,« Solidaire et pacifique, tu seras », »,« La méditation, tu pratiqueras », ou encore « Ta vigilance intérieure, tu développeras ». Il ne s'agit ici pas moins que de nous aider à renaître à notre intériorité, de nous accompagner dans le rétablissement de notre équilibre intérieur et de lutter contre l'acédie ambiante. L'auteur, finalement, nous propose de tendre vers la vie idéale, la vie heureuse, qui, pour lui, est nécessairement une vie spirituelle. Pour cela, il revient dans chacun de ses chapitres sur les préceptes des Pères du désert, qui l'accompagnent d'exercices tout à fait concrets, et va même jusqu'à proposer pour certains d'entre eux des méditations audio à télécharger. Bref, cet excellent livre au style clair, au ton plaisant, est un guide tout à fait pertinent. Permettez-moi donc de conclure ce coup de cœur par un dernier apophtegme que vous trouverez dans ce livre. Assieds-toi, fais silence et apaise-toi. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Nous continuons l'émission avec le livre de Philippe Verdun, « Mon précieux ». On va lui demander ce que veut dire ce titre, point d'exclamation. « Bonne nouvelle en terre du milieu », c'est très intriguant, publié au CERF. Un petit mot sur vous d'abord, vous êtes dominicain, je l'ai assez dit ce soir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant que dominicain ? Dominicains font beaucoup de choses, mais moi, en ce moment, je m'occupe de retraites dans la ville, les prédications des dominicains qui proposent des retraites. Là donc, on est en plein la retraite, fini de préparer la retraite de l'Avent. Ouais. Donc sur Internet, des gens qui sur Internet, qui, se gratuitement, brancher, qui s'abonnent à Retraite dans la ville. Avec un succès phénoménal, non ? C'est très impressionnant, très impressionnant. On a à peu près 150 000 personnes qui s'inscrivent pour suivre un temps de retraite. Ouais, bon. C'est une belle aventure. Et puis, je suis aumônier national des associations familiales catholiques qui ont été très engagées dans le combat contre la loi sur la PMA et la recherche sur l'embryon, donc le sujet du livre de Lou. – D'accord. Un petit mot sur… pourquoi vous êtes dominicain ? Vous avez pu être jésuite, je ne sais pas, prêtre diocésain. Oui, j'ai été séminariste de Paris, mais on m'a réorienté vers les dominicains assez vite, parce que moi j'ai une formation littéraire et qu'il se trouve que depuis la fin du 19e siècle, chaque fois que je me suis intéressé à un auteur, j'ai trouvé en embuscade un dominicain qui a joué un rôle, Saint-Drars, c'était le père Bouc-Berger, avec Giraudoux et avec Bernanos aussi, Malraux, c'était le père Couturier, vous voyez, donc c'est cette place des dominicains. Et puis donc Bernanos a écrit un magnifique petit livre sur Saint-Dominique que j'ai lu quand j'avais 18 ans, 20 ans. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Saint-Dominique, c'est recueilli dans un… Oui, Saint-Dominique, tout simplement. Alors c'est cet 26. Attrait pour la littérature qui vous amène à Tolkien. Voilà. Alors, un petit mot pour les non-initiés, Tolkien, c'est qui exactement ? Tolkien, c'est un prof de philologie anglais à Oxford, donc quelqu'un de très père de famille. Donc Tolkien, il est mort en 73, vous voyez, donc c'est à 80 ans passés, donc c'est un homme qui a vécu tout le XXe siècle, tout jeune combattant de la guerre de 14, et qui a été très marqué par le catholicisme brûlant de sa maman, qui est morte quand il était enfant, et il est resté très attaché à cette foi reçue. Il était issu d'une famille anglicane, donc aussi dans un contexte encore d'une Angleterre où les catholiques avaient une place, en tout cas c'est comme ça que Tolkien le ressent, une place de citoyen de deuxième zone, et lui c'est un catholique fervent. – Il invente un genre littéraire avec son Seigneur et des alors, Anneaux. – Il est ce professeur, on pourrait imaginer un professeur un peu spécialisé de littérature médiévale, et en fait c'est un homme qui rêve tout le temps, qui s'invente dans sa tête un monde, parce qu'il dit le monde dans lequel nous vivons, nous avons reçu de Dieu le devoir d'être comme lui, créateur, co-créateur. Nous pouvons continuer à… Nous avons en héritage ce monde dont il faut que nous nous occupions de la gestion. Donc il est un peu écolo aussi avant l'heure, même très écolo avant l'heure. Et il dit aussi, nous devons aussi créer notre propre monde, un monde intérieur. Et lui, comme il a une imagination débordante, il invente cette terre du milieu, donc le sous-titre de mon livre,
Bonne nouvelle en Terre du Milieu, un monde imaginaire dans lequel il y a aussi des créatures imaginaires qui sont confrontées, en fait, aux mêmes questions que nous, c'est-à-dire la question de notre... Mon précieux, c'est quoi ? Alors, mon précieux, c'est le fameux anneau, le seigneur des anneaux. Donc, il y a un anneau qui a été forgé par un esprit mauvais pour aliéner les braves gens qui vivent sur cette terre du milieu, donc dans un monde qui ressemble un peu à un monde médiéval, encore marqué par la magie, des personnages un peu bizarres, des arbres qui marchent et tout ça. Et cet anneau, ce précieux, il obsède ceux qui en sont le détenteur, comme en fait les péchés capitaux finissent par nous ronger. Donc c'est le mal qui habite Gollum, Sméagol, qui est le détenteur de l'anneau, et puis il se trouve, donc c'est le récit du Seigneur des Anneaux. – C'est une sorte de parabole chrétienne dans un monde fantastique, c'est ça cette histoire ?– C'est ça, ce qui est génial c'est que Tolkien, avec énormément de finesse, n'assène pas à ses convictions chrétiennes ou ne souligne pas au stylo rouge « Ah, vous avez vu, j'ai fait référence à tel passage biblique que j'ai transposé. » Pas du tout. Beaucoup de gens lisent Le Seigneur des Anneaux sans du tout se rendre compte que ce livre est complètement imbibé de la foi de son auteur. Et pourtant, la foi catholique de son auteur. Une visée évangélisatrice. Non, en fait, quand il a commencé Le Seigneur des Anneaux, c'était une commande, il écrivait un livre avec des nains, des elfes et ses petits personnages, les hobbits, personnages qui ont 60 ou 80 cm de haut. Et c'est petit à petit, en écrivant le livre, qu'il va se rendre compte que s'il veut faire une œuvre, une belle œuvre, il faut qu'il injecte la question du bien et du mal, la question du salut, la question de la miséricorde, la question du salut qui vient. Mais comment eh ben, le salut, il vient par les petits. Est-ce qu'il utilise au fond l'Évangile comme une trame ou comme un lieu d'inspiration, ou est-ce qu'il l'utilise comme un lieu de, justement de, pour le montrer, pour amener ses lecteurs à lire l'Évangile ? Non. Vraiment pas ? Non. Il écrit ce livre avec le sang de son cœur. C'est son livre. Il a écrit en fait que deux livres. Après, il y a d'autres livres qu'il a écrits autour, mais les livres qui sont très connus, c'est simplement deux livres. Et Le Seigneur des Anneaux, il l'a écrit avec le sang de son cœur. Et comme c'était un catholique fervent, lui, son précieux, c'est pas un anneau du mal, justement, c'est l'antidote, c'est l'Eucharistie. D'ailleurs, vous terminez le livre sur ce chapitre. Et c'est pour ça qu'on a mis sur la couverture la photo de Frodon, qui va donner sa vie pour ses amis et qui tient l'anneau du mal dans sa main comme un chrétien fervent peut tenir le corps du Christ sous la forme de l'hostie au creux de sa paume. Quoi. Ouais. Voilà, Alors pourquoi vous, dominicain, passionné de littérature, on a compris, vous écrivez sur Tolkien aujourd'hui? Bon, il y a cette expo, mais il n'y a pas que cette raison-là. Qu'est-ce qui... C'est-à-dire, si vous voulez, vous l'avez dit, cher ami, le Seigneur des Anneaux, c'est le roman le plus vendu dans l'histoire de l'humanité. Pas avant la Bible, quand même. Le roman. Tient pas la Bible pour un roman. La Bible n'est pas un roman. Mais la Bible contient plein d'histoires. C'est en ça aussi que Tolkien et d'ailleurs, il a traduit des livres bibliques pour la Bible de Jérusalem, enfin, notamment le livre de Jonas. Comme par hasard un conte. Ouais. Mais ce livre a tellement marqué des générations, le livre paraît en 1953, et depuis, c'est un best-seller, et il a marqué, il a changé la vie d'énormément de lecteurs, et jusqu'à encore aujourd'hui. Alors c'est sûr que, aussi, mais c'est pas seulement Peter Jackson, succès commercial qui vous motive. Mais quand même, pourquoi ce livre a du succès ? Pas, je me fiche évidemment du succès commercial, mais pourquoi ce livre a du succès ? Et moi, je pense que ce livre a du succès parce que c'est un livre qui utilise, c'est-à-dire notre culture commune, on en parlait avec Denis Pelletier, notre culture commune, qui est ce fond de culture chrétienne qui fait que les bons et les méchants, le salut ou pas, les tentations auxquelles on résiste ou pas, auxquelles on succombe, les petits qui sont venus du monde, la miséricorde, tous ces thèmes-là, en fait, sont les thèmes qui font vibrer notre cœur. Et c'est ça le génie de Tolkien, c'est d'avoir, avec un monde imaginaire, mis en scène, finalement, non pas la Bible, non pas directement la théologie, ça aurait été extrêmement ennuyeux, je pense, mais des personnages qui vivent du même esprit. Alors, de cet esprit, alors qu'ils n'ont pas, il n'y a pas de messe, il n'y a même pas tellement de prières dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de dominicain, c'est vous dire. Que... Et il y a quelque chose, vous êtes totalement admiratif devant ce génie un peu littéraire, cette capacité d'imagination et encore une fois de traduction du mystère chrétien, même si, on a bien compris, il ne le fait. Il n'y a pas de transposition. Il ne le dit pas en tant que chrétien. Non. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est en panne d'auteurs dans notre monde chrétien, catholique,
dans ce monde chrétien-catholique, est-ce qu'on est en panne d'auteurs qui auraient cette capacité de rendre sous un jour nouveau, peut-être dans l'imagination, effectivement, dans la créativité, le mystère chrétien qui a tant de mal à peut-être exister aujourd'hui? Alors, je ne pense pas, moi, qu'on ne soit en crise ou qu'on ait du mal à faire vivre cette... Je pense que la culture chrétienne est toujours aussi rayonnante et intéresse toujours autant les gens. On en a parlé un petit peu avec Notre-Dame, même si, comme l'a dit Denis Pelletier, les ressorts de l'émotion peuvent être très diverses. Mais je pense que ce qui continue... Je veux dire, aujourd'hui, vous publiez un livre, Amélie Nothomb, je ne sais qui, vous publiez un livre sur Jésus-Christ, ça passionne. Ça passionne tout le monde. Jésus-Christ est l'ami de, comme disait Louis de Funès, Jésus-Christ est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie. Tout le monde n'a pas la foi de Louis de Funès, mais Jésus-Christ, ça intéresse les gens. Quand Maurice Druon, qui s'est un petit peu inspiré de ce Moyen-Âge fantastique, parce que j'ai écrit aussi un livre sur Maurice Druon, alors évidemment l'historien trouvera beaucoup de choses à redire, mais Maurice Druon, il prend à pleine main pour faire, alors qu'il est dans une époque de sa vie où il n'est pas du tout croyant, ni pratiquant, ni rien du tout, il prend à pleine main cette histoire de France et dedans, il faut absolument qu'il y ait un pape Jean XXII qui se fait élire par, en faisant des complots. Il faut qu'il y ait cet imaginaire, alors pour le bien ou pour le mal. On réagit contre, on est fasciné, mais c'est notre culture. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, y compris donc d'auteurs de romans, qui utilisent... Mais qui sont plutôt extérieurs au monde chrétien ou catholique. Ou est-ce qu'il y a assez de liberté, finalement, de création aujourd'hui Moi, je crois. Je pense à mon ami François Taillandier, qui a écrit un magnifique roman. Vous avez peut-être déjà invité François. Oui, bien sûr. Donc, il a écrit un livre sur Jésus, évidemment. Mais il a écrit un magnifique roman sur le pompier qui se précipite à Turin dans la basilique parce qu'il y a un incendie. Donc, c'est pas dans Notre-Dame de Paris pour sauver le Saint-Sacrement, c'est comme vrai. Le diacre. Mais pour sauver la Sainte Tunique, il prend la Sainte Tunique dans ses bras. Il y a le feu, etc. Et en fait, à cause du feu, de l'émotion où il veut sauver la Sainte Tunique, en fait, il est petit à petit transformé en celui qui a été emballé dans la Sainte Tunique en un nouveau Jésus-Christ. Les romans sur Marie-Madeleine, alors pour le pire, hein, le Da Vinci Code, etc. Mais oui, toute cette... Alors des fois, c'est un peu de la sous-culture, mais il y a aussi des choses magnifiques qui alors se font. Alors le pire... Donc ça, c'est notre culture. Donc les gens qui voudraient faire des œuvres durables et déployer tout un monde et qui n'emprunteraient pas, je crois, ce fond... Ce fond de bouillon de culture chrétienne, je pense. Donc, l'Église encourage-t-elle suffisamment ce genre de... Doit-elle encourager? Est-ce que c'est son rôle ou est-ce que les choses, finalement, vont pas si mal dans le domaine de la création littéraire? On est là aussi pour ça. Chaque mois, on parle du livre, on invite des auteurs. L'Église en tant qu'institution, l'Église avec des prêtres, etc., n'a rien à voir là-dedans. Je pense qu'il ne faut surtout pas que les prêtres s'en mêlent, sauf pour dire du bien de Tolkien ou de Bernanos ou de François Taillandier ou de mon ami Sébastien Lapac qui a fait son livre sur saint Thomas d'Aquin qui vient dans une émission comme la vôtre. Qui est venu, Pas. Non, l'Église n'a pas particulièrement. Les gens sont libres, c'est du patrimoine, c'est notre patrimoine à tous. Alors, messieurs, on commence par qui Peut-être l'historien Denis Pelletier qui reçoit un livre là, parfois très. D'un monde qui n'existe pas. Et vous travaillez sur un monde qui a existé. Comment vous prenez cet objet littéraire? D'abord, il me donne envie de lire le livre. Et d'abord, il me donne envie de lire le livre de Tolkien que je n'ai pas lu. C'est quand même la première qualité d'un livre. Non, ensuite, il y a deux choses que je trouve... Je suis un amateur de science-fiction plus que de fantasy. Donc, vous m'avez donné envie de lire Tolkien. Alors ça, c'est... Merci. Il y a deux choses que je trouve très intéressantes dans ce livre. D'abord, c'est un livre sur... qu'est-ce que c'est que l'acte d'écrire à travers Tolkien? C'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est que l'acte d'écrire de la fiction? Ce qui, pour quelqu'un qui n'écrit pas de la fiction, est une vraie interrogation. C'est-à-dire la série des choix successifs qu'on n'arrête pas de faire, probablement, quand on écrit. Et je trouve qu'entre le premier chapitre qui met en scène cette décision d'écrire, et puis ensuite les autres chapitres où on voit ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'introduction d'un certain nombre de thèmes, il y a quelque chose sur l'acte d'écrire que je trouve absolument très passionnant. Très bien rendu, très passionnant. Oui. Et puis il y a une deuxième chose que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est le rapport analogique
au christianisme, entre la fantaisie, c'est-à-dire ce monde qui s'invente, ce monde que Tolkien invente de toutes pièces, il l'invente vraiment de toutes pièces. C'est-à-dire, il ne fait pas un roman chrétien. Je pense qu'il ne faut surtout pas donner l'impression... en vous lisant, je me dis, vous ne cherchez surtout pas à donner l'impression que le roman de Tolkien est un roman chrétien. Il est sur un fonctionnement qui est de l'ordre de l'analogie. C'est-à-dire, il écrit, il est en train de construire son monde, il a juste envie que ce monde fonctionne, et pour que ce monde prenne un sens auprès de ses lecteurs, il puise là où il trouve... Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que moi, j'ai toujours pensé, on parlait de spiritualité tout à l'heure, j'ai toujours pensé qu'une des choses qui ne sont pas suffisamment travaillées dans l'histoire du christianisme, c'est le rapport à la littérature. Et là, il y a vraiment, quelque chose de très bien. – Merci. Lou Bémond, comment le journalisme aussi, le jeune homme de votre génération, qui est sans doute plus familier que nous de l'univers de Tolkien, comment vous recevez cet ouvrage du père Verdun? Alors, pour dire vrai, je n'ai jamais lu Tolkien, mais effectivement, ben oui. On va tous s'y mettre. mais effectivement, comme Denis Pelletier, vous m'avez donné envie d'ouvrir cette somme. C'est quand même plus d'un millier de pages à parcourir. Ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est effectivement la manière dont vous racontez le processus de création et la manière dont, finalement, les personnages de Tolkien, l'histoire, lui échappe, en fait. C'est-à-dire qu'il crée cette chose qui, alors c'est sans doute comme ça quand on écrit une fiction, mais en tout cas, il écrit ce récit avec ses personnages qui, tout à coup, sortent de la boîte et lui échappent et le dépassent. Donc, quelque chose d'assez profond et d'assez... c'est quelque chose qui dépasse même son créateur, quoi. C'est ça. On sent un homme qui il doit vivre dans cet univers, il écrit. Plus de 12 ans d'écriture. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de romans, des romans dont les auteurs, après, ils le laissent à part, ils font autre chose, et puis ils le reprennent, etc. Je pense à Pierre Michon, des gens comme ça, qui travaillent aussi comme ça. Ils ont un très long temps de gestation. Mais là, lui, il a 12 ans où il a fait que ça. Enfin, il enseignait, mais je veux dire, toutes ses pensées, en permanent, il était un peu dans une double vie. Ouais. Il avait sa femme et ses 4 enfants, très bon père de famille, un fils qui est devenu prêtre, sa foi aussi, grand serviteur de sa paroisse, homme de contemplation, excellent prof, il adorait raconter des histoires, donc historien raconte des histoires, vous nous avez dit tout à l'heure, donc c'était un bon prof, mais en fait... Toujours, il était dans cet autre monde qu'il avait créé. Et je pense que là aussi, Tolkien nous invite à restituer la valeur du rêve aussi, de ces histoires qu'on se racontait quand on était petit ou quand on était adolescent, parce qu'il nous faut des histoires y compris des figures grotesques, dantesques, des méchants, des monstres, qui peuvent indisposer certains dans Tolkien. Mais ça indispose souvent, ça indispose éventuellement plus les adultes ou les critiques qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces monstres, est-ce qu'on a besoin de ces monstres? Ah ben évidemment qu'on a besoin de ces monstres, c'est parce que évidemment c'est des monstres qui sont très monstrueux, et le génie de Tolkien c'est aussi de dire que celui qui est le plus monstrueux apparemment peut aussi être celui qui sauve le monde, hein, et puis il y a ces créatures incroyables, parmi mes préférés c'est évidemment les arbres qui marchent, les Ents. Oui. Ces arbres qui marchent et qui parlent, qui sont peut-être inspirés par Tolkien, par de nombreux passages de la Bible, commencer par l'Évangile, hein, où Jésus-Christ dit « Si vous aviez la foi grosse comme un grain de moutarde, vous diriez à ces arbres, lève-toi, marche et va te planter dans la mer, et les arbres le feraient. » Si vous avez la toute petite foi, vous auriez ce pouvoir. Alors, cet homme que guérit le Christ, est un aveugle né, Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il ouvre les yeux. « Je vois des hommes, ce sont comme des arbres qui marchent. » Parole que jusqu'à maintenant, aucun exégète, y compris mes amis frères dominicains de l'école biblique de Jérusalem, n'ont su m'expliquer ce qu'elle vient faire comme ça tout d'un coup dans l'évangile selon saint Marc. Mais c'est ce monde aussi, ce monde de notre inconscient aussi, hein, où on voudrait avoir une communion dans la nature, pouvoir discuter avec les animaux, comme faisait saint François ou saint Martin de Porres. Il faut une âme d'enfant pour apprécier Tolkien. Nous avons tous, ce que nous invite à faire Tolkien, c'est à cultiver cet héritage de l'enfance. Il ne s'agit pas de, comme dit saint Paul, il ne s'agit pas de faire l'enfant.
d'avoir la force. D'ailleurs, les personnages, y compris les petits, sauvent le monde dans Le Seigneur des Anneaux avec un courage et une force qui étonnent tout le monde. Ils sont au milieu des grands chevaliers, ils sont au milieu de gens qui font la géopolitique de la Terre du Milieu. Et eux, ils se faufilent comme ça, et c'est eux qui vont, ces petits hobbits, ces petits personnages, c'est eux qui vont sauver le monde. Alors, il y a une question récurrente qui parcourt tout, c'est la question du bien, du mal. Et vous expliquez que Tolkien ne tombe pas dans le simplisme, le manichéisme entre le noir et le blanc, les bons, les méchants. Ah, il détestait Walt Disney. Alors, mais justement, cette question très actuelle, parce que vous qui nous regardez, qui êtes avec nous dans ce studio finalement, vous êtes confrontés, nous sommes tous confrontés à cette question, on en parlera tout à l'heure sur les questions de bioéthique. Et lui, il apporte par son récit une nuance, enfin une finesse dans l'analyse de la question du bien et du mal. Alors, un petit mot, puis je voudrais bien entendre nos invités. Oui, le bien et le mal, c'est ce que dit saint Paul. Hein. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Mmh. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Il y a ce mystère au fond de l'homme. Hein. On rêve tous d'être, surtout quand on lit Le Seigneur des Anneaux, quand on a 12 ans, ce qui fut mon cas, on reste, en tout cas, d'être des chevaliers, de donner notre vie pour sauver, pour sauver le monde qu'on aime aussi, pour sauver nos amis. Et puis, dans Le Seigneur des Anneaux, les plus grands, les plus nobles sont tous tentés à un moment ou à un autre. Et c'est là où il est génial, Tolkien, c'est que fort de son background catholique, il présente en fait les différentes tentations, presque les 7 péchés capitaux. Qui sont à l'intérieur. Il y en a un, c'est l'orgueil, il y en a l'autre, c'est la gourmandise, hein, se met à gueule. Le Gollum a tout le temps faim, et il n'est jamais rassasié, parce que le pain qui rassasie, c'est le pain des elfes, c'est une forme de pain eucharistique. Bon, mais lui, il ne peut pas, il est trop… – Donc, le mal est en chacun, le bien est aussi en chacun. – Et ce type qui est le plus pourri, qui a assassiné son ami pour prendre l'anneau, dans une histoire très, très ancienne, il est, parce que un autre des héros, Frodon, a de la pitié pour lui, lui fait miséricorde, et l'appelle par son nom, et non plus par son surnom. Son surnom, c'est Gollum, parce qu'il fait « Gollum, Gollum !» C'est vraiment un type pas beau. Et il l'appelle Sméagol. « Ah oui, je me suis appelé Sméagol. » D'un seul coup, il lui redonne une identité. Et d'un seul coup, Gollum, Sméagol, tout d'un coup, est tenté de servir le bien. Et alors, puis, c'est la méfiance du pauvre Sam, le jardinier, qui veut pourtant bien faire, qui se méfie de lui, qui l'appelle le sournois, qui le fait rebasculer. Donc, en plus, c'est aussi le péché des mots, qu'on peut dire, qui marque au fer rouge grande, les gens. Voilà, c'est très fin, alors, très très fin. Qu'est-ce qu'en pense Denis Pelletier, en tant qu'historien, espèce de… En tant qu'historien. Oui, en tant qu'universitaire. Oui, mais je vais répondre. Parce que justement, la question du bien et du mal, bon, dans la société, on voit bien, mais… Là, on est presque quasiment sur un plan métaphysique. Alors, moi, ce qui me frappe en vous lisant, c'est il est philologue. Il est philologue Tolkien. C'est-à-dire, il sait ce que c'est que la langue. Et il sait ce que c'est que la diversité des langues. Et il sait l'utiliser. Et ce que je comprends de ce que vous avez écrit du livre, c'est la capacité à multiplier les langues, à multiplier les manières d'écrire en fonction des personnages que l'on… Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que si on veut échapper à cette espèce de morale du bien et du mal, à cette assignation de l'un au bien et de l'autre au mal, le lieu à travers lequel on peut y échapper, c'est la langue, c'est la pluralité des langues, c'est la connaissance de la langue. Et je trouve que c'est très… vu de l'extérieur, encore une fois, c'est très… C'est très fascinant, ce genre de choses. Et vous ne prononcez pas sur le fond, sur la question plus philosophique du bien et du mal, de cette éternelle tentation. Mais parce que moi, je suis sensible au fait que… Encore une fois, je n'ai pas lu Tolkien, j'ai lu que le livre, donc ça m'est difficile pour moi de répondre là-dessus. Moi, je suis sensible à ce que vous dites de... Vous voyez, ce qui différencie la fantaisie des autres genres littéraires, c'est l'invention d'un monde. Et je trouve ça absolument fascinant, cette capacité à inventer un monde complet. Et donc, quand on invente un monde complet, on est obligé d'y introduire, on y introduit de la morale. On y introduit donc du bien et du mal. Et on le fait… plus ou moins bien, et ça fait des romans de plus ou moins grande qualité.
Et je suis renvoyé à ça. Tolkien sait ce que c'est que la langue et sait ce que c'est que la pluralité des langues. Et moi, c'est vu de l'extérieur comme ça que j'ai. Mmh. Et je suis désolé si je ne me prononce pas sur le fond. Alors, Lou Bémonde, est-ce que ça rend un service, finalement, cette invention d'un monde, je rebondis ce que vous dites, effectivement, ce monde fabuleux, de placer au cœur de ce combat la question du bien et du mal ? La question du bien et du mal en 3 minutes, c'est un peu compliqué. Mais il faudra y répondre. Il faudra y répondre. C'est votre épreuve. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement que dans ce que je lis dans votre livre, Tolkien recrée un monde qui n'est pas notre monde, mais où s'affrontent aussi voilà, le bien et le mal, comme en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas chez Walt Disney, on n'est pas... on n'est pas avec des clivages très nets, on est avec des allers-retours, avec des tentations, avec des tensions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il faille passer par un monde inventé, finalement, pour le comprendre. Quoi. C'est un peu ça la démarche de Tolkien. C'est le mythe. C'est comme l'efficacité du mythe. Et je pense que c'est pour ça aussi que le livre continue à plaire, à fasciner, à enthousiasmer. C'est que Tolkien a réussi à créer un mythe qui a cet arrière-fond chrétien. C'est génial. Et toujours cette grande, vous citez, alors on terminera ce plateau sur cette phrase, l'inconnu, c'est encore et toujours notre âme. Cette espèce de quête. Le continent qu'on doit découvrir, l'exploration qu'on doit faire, c'est notre cœur. C'est ça le continent, toujours. Et Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, mais il nous invite nous-mêmes à nous connaître, parce que quand nous nous connaîtrons en vérité, nous pourrons demander pardon et nous pourrons construire notre vie sur le Christ. Merci Philippe Verdun de votre témoignage, de votre ouvrage. Donc Mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu aux éditions du CERF. Nous continuons cette passionnante émission, je vous avais promis que ce serait intéressant, avec Bertrand Deschamps qui... nous présente le Zoom. Eh bien, je vous propose ce mois-ci, en guise de portrait, un Zoom sur une collection. Pas n'importe quelle collection, sans doute l'une des plus prestigieuses de l'édition française, je veux parler de la bibliothèque de la Pléiade, dans laquelle Gallimard publie depuis les années 30 des auteurs de toutes les époques et de toutes les traditions. Il y a plus de 600 volumes et il y a, je vous rappelle, la marque de fabrique de la Pléiade, c'est un petit format, relié plein cuir, avec la couleur qui indique l'époque et papier Bible. 3 nouveautés remarquables en cette fin d'année. Le premier volume, c'est « Romans et nouvelles » de Huysmans. Huysmans, écrivain de la fin du XIXe siècle, auteur absolument inclassable que Houellebecq a célébré dans son avant-dernier livre. Huysmans est connu pour des textes aussi variés que « À rebours »,« En rade »,« Là-bas » et puis « En route », sur lequel s'achève ce volume qui devrait être un premier volume et devrait trouver une suite avec les textes qui ont suivi la conversion d'Huysmans, en particulier « L'Oblat », »,« La cathédrale », »,« Les foules de Lourdes » et encore bien d'autres textes. De cathédrale, il est question dans la deuxième nouveauté de cette fin d'année Pléiade, ce sont les œuvres de Georges Duby. Georges Duby, immense historien disparu il y a plus de 25 ans, qui rejoint le cercle très fermé des historiens dans la Pléiade, car à part Hérodote, Thucydide et Michelet, ils sont bien peu. Duby, une série de textes fondateurs, Le Dimanche de Bouvines, Le Temps des cathédrales, Guillaume le Maréchal, et puis tous ces textes sur, par exemple, les femmes au XIIe siècle. Georges Duby, si vous ne l'avez jamais lu, c'est avant tout une écriture d'une qualité littéraire absolument remarquable. Ce gros volume préfacé par Pierre Nora vaut vraiment le coup. Et puis, de Moyen-Âge, il est question dans le troisième volume, Écrits spirituels du Moyen-Âge, qui est une anthologie qui va chronologiquement, qui commence avec Anselme de Canterbury et qui va s'achever avec l'Imitation de Jésus-Christ, 4 siècles. On trouve aussi Guy le Chartreux, Hugues de Saint-Victor, Saint Thomas bien sûr, Saint Bonaventure et encore bien d'autres. L'anthologie est remarquablement construite, elle nous montre à quel point dans ces siècles du Moyen-Âge, l'essor du livre,
l'appel de l'écriture a fait que ces hommes, en écrivant, étaient en plein exercice spirituel. C'est une très très belle leçon d'histoire. Donc vous l'aurez compris, n'hésitez pas en cette fin d'année, achetez Pléiade, offrez Pléiade. Et je vous rappelle que dans toutes les bonnes librairies, comme la Procure, on vous offrira pour l'achat de deux Pléiades, un agenda Pléiade de la même facture, élégant, à glisser dans sa poche sans plus attendre. Merci Bertrand. Nous continuons cette émission passionnante avec Lou Bémond de Senneville et Martin Steffens, qui n'est pas ici présent sur le plateau, mais qui co-signe chez Bayard ce livre « Et si c'était la fin d'un monde ?» Enquête et entretien sur la loi de bioéthique 2020. Vous en avez largement entendu parler, donc PMA, GPA, fin de vie. Donc c'est à la fois un spécialiste de bioéthique et un philosophe qui discute. Donc un petit livre extrêmement bien informé, je le disais en début d'émission, mais un petit mot sur vous, Lou. Vous êtes journaliste à La Croix, spécialiste de cette question. Voilà, racontez-nous un peu votre quotidien. Oui, moi je travaille effectivement sur ces questions depuis 2 ans à temps plein, avec un champ qui va du début à la fin de la vie, donc toutes les questions qui tournent autour de procréation, mais aussi la contraception, toutes les questions de la recherche sur l'embryon, des modifications génétiques, de l'intelligence artificielle, et puis à l'autre bout de la chaîne, si on peut dire, toutes les questions de fin de vie, voilà, débat sur l'euthanasie, le suicide assisté, et puis la fin de vie en France. Très complexe, pas facile d'accès, et pas forcément très attirant, parce que tout un chacun se dit, bon, c'est des choses très très compliquées, on n'a pas envie de s'y pencher, on n'a pas envie d'y aller. De toute façon, c'est les scientifiques qui mènent la danse. Est-ce que vous avez ressenti ce genre d'impression ? En fait, c'est à la fois des sujets qui sont techniques, parce qu'il y a une vraie technicité, il y a une vraie question quand même scientifique. Et pour moi, qui ne suis pas un scientifique de sciences dures, de formation, voilà, ça demande un certain travail. Mais il y a aussi une question métaphysique, existentielle, si pour moi le début et la fin de vie suscitent tant de passion dans les débats depuis des années, c'est qu'il y a quelque chose de, voilà, c'est les deux moments de tension existentielle, quoi, de chacun d'entre nous, voilà, la procréation et la mort. Et puis il y a un troisième volet, peut-être un troisième aspect, moi, que j'ai essayé d'exploiter dans cette enquête, qui est le volet politique, parce que là on est dans la construction d'une loi, on est dans une construction politique, et c'est cette histoire politique que j'essaye de raconter à travers ces pages. – Et vous le racontez très bien, parce que les 4 thèmes quasiment, hein, comme vous avez fait une plongée dans les gens qui nous gouvernent actuellement, les gens qui sont dans les associations catho, et ceux qui sont les associations, disons, pour ces évolutions-là, vous racontez tout ça très bien. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, comme journaliste, mais aussi à titre personnel, de cette enquête-là ? Sur, au fond, la vie, sur la politique au sens large, qu'est-ce que vous avez… Qu'est-ce que vous retenez, au fond, de ces… Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même que sur ces questions qui sont essentielles, hein, je veux dire, qui voilà, si encore une fois elles suscitent autant de débats, c'est qu'elles sont importantes, c'est qu'au fond, il y a un pouvoir politique qui ne sait pas très bien quoi en penser et qui avance parce qu'il a le sentiment qu'il faut y aller. Voilà. Emmanuel Macron, s'il fait ses lois, s'il étend notamment la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, c'est qu'au fond, il est persuadé que ça fait un peu partie du package progressiste et que lui, il est progressiste, donc il faut y aller. Mais ce n'est pas un convaincu de la cause. Il n'est pas convaincu comme il l'est sur les questions économiques, par exemple. Sinon, il l'aurait fait dans la première partie de son mandat. Donc voilà, c'est la manière dont… Finalement, le politique dit « Allez, on y va », sans pour autant en faire quelque chose de prioritaire. – Pourtant, à vous lire, il y a des gens qui sont très décidés autour de lui, en tout cas. Et on a l'impression que d'un côté, c'est couru d'avance. D'un autre côté, et vous le montrez très bien, il y a une sorte de montage pour donner l'impression d'un débat, d'une discussion consensuelle, démocratique, pour décider ou pas de cette évolution, mais à la fin… On arrive à… Vous ne concluez pas, ce n'est pas vous qui l'écrivez, mais le lecteur peut se dire, bah, finalement, tout était cousu d'avance. Alors, en fait, ce qui est vrai, c'est que ce qu'il y a dans le projet de loi, là, qui a été débattu à l'Assemblée nationale, qui va l'être au Sénat, c'est vrai que c'est le même contenu, voilà, c'est à peu près
les grandes lignes de ce qui avait été annoncé pendant la campagne. Après, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron, en fait, il a été marqué, très profondément marqué, par toute la période du mariage pour tous, donc 2011-2012, où à ce moment-là, il est à l'Élysée, auprès de François Hollande, comme secrétaire général adjoint, et il est marqué par le fait que François Hollande et son entourage ne veulent pas recevoir les opposants, les conservateurs, pour dire vite. Et donc il en ressort avec l'idée qu'il faut que tout le monde, au cours de ces débats sociétaux, puisse s'exprimer. Et donc effectivement, pendant des mois et des mois, qui sont les premiers mois de son quinquennat, il invite autour de la table voilà, des gens qui pensent comme lui, mais aussi des gens qui ne pensent pas comme lui. – Des dîners secrets, vous en donnez… – Voilà, il y a deux dîners qui sont organisés à l'Élysée, voilà, c'est toujours, pour un journaliste, c'est toujours assez rigolo de reconstituer ces moments. Et c'est lui, c'est quelqu'un vraiment, Emmanuel Macron, qui aime débattre avec des gens qui ne pensent pas comme lui, mais ça ne l'empêche pas, in fine, de trancher. – Mais on peut considérer qu'il est sincère quand il organise ses débats, puis qu'en même temps, le politique sait très bien où il va. Oui, il y a les deux aspects. C'est-à-dire qu'en même temps, il veut aller quelque part et il sait où il va, et en même temps, il veut y aller en provoquant le moins de casse possible, et notamment le moins de tensions, le moins de manifestations. Et donc, oui, c'est pour ça qu'il déploie toute une stratégie, à la fois pour parler à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord, à la fois pour essayer de dégoupiller les points les plus complexes, notamment dans le processus politique. Il essaye de monter une commission, alors finalement, ça échoue, mais qui réunirait les parlementaires de l'opposition et les parlementaires de la majorité, voilà, pour essayer de dégoupiller les sujets les plus compliqués. Ça ne fonctionne pas. Mais voilà, on voit bien qu'il y a une volonté d'y aller sans pour autant passer en force et en essayant de limiter la casse et du bruit des opposants. Il y a un côté un peu, semble-t-il, enfin, apparemment un peu machiavélique, une minutie, vous racontez ça, dans la préparation, le choix des personnes, des dates, enfin… – Ce n'est pas des enfants de cœur. – Non, alors la politique, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Mais il y a toujours dans la construction comme ça d'un projet politique des éléments qui sont pensés, et il y a des éléments qui tiennent au sujet lui-même, et puis il y a des éléments qui lui sont extérieurs. La crise que connaît le quinquennat au moment de l'affaire Benalla, puis au moment des Gilets jaunes, a un impact en fait direct sur la loi de bioéthique, comme sur tous les autres projets, où tout est gelé tout à coup parce qu'il faut gérer l'urgence et la volonté réformatrice de Macron tout à coup est gelée. Et d'ailleurs, on peut se demander si… – Quand vous racontez, par exemple, le cas Agnès Thil, donc cette députée du mouvement En Marche, qui se fait quasiment exclure parce qu'elle n'est pas d'accord sur ces sujets de bioéthique, c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas le droit de penser… même un peu différemment dans un parti politique, non ? Ça ne vous a pas choqué ? Alors en fait, ce qu'on reproche à Agnès Thil, c'est à la fois de penser ce qu'elle pense et en même temps, c'est son mode d'expression. Et finalement, dans la majorité, ce qu'on lui reproche, c'est d'être trop visible. Parce qu'elle en fait son cheval de bataille, parce qu'elle s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, elle commence à s'exprimer sur les plateaux de télévision, dans les journaux. Et donc, c'est pas tant l'existence de gens au sein de la majorité qui sont pas d'accord, c'est le fait qu'ils le fassent savoir. Et c'est ça, en fait, qui provoque des tensions, et c'est ça qui, in fine, provoque son exclusion du groupe parlementaire. – Il y a aussi un chapitre, enfin, vous le mettez très, très, très en évidence, sur la base de… le livre est très bien informé, hein, le rôle des lobbies autour du président. – Oui, effectivement, il y a un phénomène de consultation, il y a un phénomène avec des lobbies très forts. Hein. Alors, il y a à la fois des lobbies d'associations LGBT, en même temps, il y a aussi un lobby catho. Ça, c'est... Mais est-ce que le lobby catho est aussi écouté que le lobby LGBT, pour être clair ? On n'a pas l'impression, en vous lisant. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il est reçu, tout le monde est reçu, voilà, parce que c'est vraiment la méthode de Macron. Après, les messages envoyés aux deux camps ne sont évidemment pas les mêmes. Le message envoyé au Cato, c'est de dire, voilà, vous pouvez vous exprimer, c'est le discours des Bernardins, vous pouvez vous exprimer. Vous avez le devoir de vous exprimer et de vous investir même dans le champ politique. Le message envoyé aux associations qui sont favorables à l'extension de la PMA, c'est plutôt de dire, voilà, patience et longueur de temps, ça va arriver, ne soyez pas impatients, on va finir par ouvrir la PMA.
Ouais. Donc quand même, c'est un peu cousu de fil blanc, cousu d'avance, quoi, couru d'avance. Bon, en tout cas, il y a une volonté politique d'y aller, c'est très clair. Est-ce que les catholiques ont... Comment ont-ils été perçus? Vous avez fréquenté, on voit avec les sources que vous avez, vous fréquentez tous les milieux autour de ce débat. Sont-ils perçus, les catholiques, comme des ringards, des affreux conservateurs qui empêchent les choses d'avancer? Il y a un mélange, c'est à la fois des ringards, c'est à la fois des empêcheurs de tourner en rond, effectivement, et c'est voilà, des gens qu'il faut prendre en compte, en fait, dans la construction de cette loi. – Est-ce qu'on les respecte pour les arguments qu'ils avancent, enfin, sur les questions de très, très éthiques? Ils ont des arguments, les catholiques. Est-ce qu'ils sont respectés en tant que tels sur ces arguments ?– Je pense qu'ils sont respectés intellectuellement, pourvu qu'ils n'entravent pas la bonne marche de ces projets. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un respect des idées, des arguments, même une prise au sérieux des arguments des catholiques par Emmanuel Macron, son entourage et ses amis politiques. – Est-ce qu'ils n'ont pas le défaut d'être un peu caricaturaux, ces catholiques? Je ne juge pas les personnes, évidemment, encore les cathos, on les connaît, on sait ce qu'ils pensent, etc. Est-ce qu'ils se sont bien défendus, selon vous, sur ces dossiers-là? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient attendus, et que la grande différence entre François Hollande et Emmanuel Macron, c'est que François Hollande, il n'a pas de lecture du monde catholique, il sait pas très bien qui ils sont, et lorsque la Manif pour tous arrive, finalement, il n'y a pas trop de grille de lecture de ce mouvement. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Alors après, est-ce qu'ils se sont bien défendus ou pas bien défendus? Ils se sont investis dans le débat autant qu'ils pouvaient. Je ne sais pas en fonction de quoi on peut juger le fait qu'ils se sont bien étendus. Moi, je pense qu'ils ont fait entendre ce qu'ils avaient à faire entendre. Après, il y a toujours des questions d'efficacité, de moyens, d'argumentation qu'on peut discuter dans le détail. Alors avant de passer la parole à nos invités, j'ai une petite dernière question sur, je pense que vous vous posez aussi cette question, et peut-être vous êtes-vous engagé, peut-être vous pour ou contre, la question n'est pas là, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette question est vraiment pliée? Le débat parlementaire, il y a le Sénat et tout ça, on n'est pas terminé, mais qu'est-ce que vous en pensez, Loubémont? Est-ce que, au fond, cette loi, elle va passer? Il n'y a pas d'opposition suffisante pour l'empêcher? En tout cas, la majorité parlementaire est vraiment acquise, quoi. Je veux dire, il y a plus de 300 députés en marche à l'Assemblée nationale. Moi, je ne vois pas très bien ce qui empêcherait la majorité et le gouvernement d'aller jusqu'au bout sur cette question-là. Et je ne vois pas pourquoi, ce qui empêcherait les grandes lignes de ce projet de loi de changer. Alors, Denis Pelletier, d'abord, votre réaction sur l'ouvrage en tant que tel? Le travail accompli par Loubémont Senneville, mais aussi, parce que ça parcourt tout le livre, ce rôle, cette place occupée par des catholiques dans un champ très politique, et le bilan que vous pourriez en tirer en histoire immédiate. Je sais bien que vous ne travaillez pas sur cette même échelle de temps, mais quand même. – Non mais justement, c'est ce que les journalistes savent faire et que les historiens ne savent pas faire. Donc c'est une très belle vous enquête. Dérobez pas. Je ne me dérobe comme pas. Comme historien. Je ne me dérobe pas. C'est ce que les journalistes savent faire et que les historiens ont du mal à faire. Ces enquêtes immédiates, et je trouve que la lecture de l'enquête est vraiment passionnante de ce point de vue-là, y compris dans ce qu'elle dévoue. Parce que vous comprenez, la lecture de l'enquête, elle montre à la fois qu'il y a un véritable enjeu philosophique, mais que on va dire anthropologique, politique, peu importe, il y a un véritable enjeu, mais que cet enjeu, en même temps, ne s'actualise en quelque sorte qu'à travers des questions de stratégie qui sont quelquefois des questions de stratégie à très court terme. Et pour moi, c'est un élément très, très fondateur de la politique que ce mélange entre qu'est-ce qu'on pense de ce que doit devenir la société, de ce que doit devenir la question du genre, la question de la vie, tout ce que vous voulez, et comment est-ce que cette pensée, qui est une pensée du long terme en fait, est obligée de s'inscrire dans des stratégies du court terme? Parce que oui, l'affaire Benalla, ça bloque tout. Et l'affaire Benalla, c'est vraiment du court terme. Et ça, je trouve que vous le montrez très très bien. Et l'autre chose à laquelle je pensais en lisant votre livre, c'est, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense que ça vaut aussi, ces débats sur la fin de vie, ces débats sur le début de la vie, ces débats sur, on va dire, tout ce qu'on appelle politique de la vie, politique du genre, politique de la famille, enfin, politique de la vie, c'est le plus simple.
il y a une caractéristique dans le débat parlementaire, c'est que ce sont les seuls dans lesquels quasiment tous les parlementaires, lorsqu'ils interviennent, font intervenir quelque chose de leur expérience personnelle. Et ça, c'est très, pour moi, c'est très important, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est important parce que je pense que ça veut dire qu'on est là en face de questions qui traversent véritablement, qui taraudent véritablement nos sociétés actuellement. Et que, pour une part, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je botte en touche parce que c'est vraiment pas ça, pour une part, depuis maintenant une quarantaine d'années, les fondements anthropologiques de notre démocratie sont en train de bouger. Les fondations anthropologiques d'une démocratie sont en train de bouger à travers ces débats. Êtes-vous surpris par la résistance des catholiques, parce qu'ils sont explicitement catholiques dans ce combat, on peut le dire, les associations, sur ce dossier et puis sur cette guerre politique qu'il a très bien décrit dans l'ouvrage? Mes collègues européens sont surpris. Mes collègues européens me disent « qu'est-ce que c'est très étrange, la France est le pays qui a la réputation d'être le plus sécularisé d'Europe et vous êtes l'endroit où les catholiques résistent le plus à un certain nombre de… à ce type de loi ». Je crois que vous le dites. Ils en sont surpris. Et d'ailleurs, les catholiques ne perdent pas… la partie des catholiques qui résistent, hein, parce que les catholiques sont… ne sont pas tous du même avis sur ces questions-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Là aussi, le pluralisme fonctionne. Oui. Hein, donc, mais il y a… c'est pas sans résultat, cette résistance, vous le montrez bien. La question de l'euthanasie a été… La question de l'euthanasie, c'est-à-dire le vieux débat multimillénaire sur la bonne mort ou la belle mort? La bonne mort chrétienne ou la belle mort du héros façon Socrate, avalant la ciguë, philosophant? Cette a été retirée de la loi. La question de la GPA a été exclue de la loi. Donc il y a des… Il n'y a pas que des défaites parce que les lois passent. Il y a aussi un poids de cette… Et ça, c'est intéressant. – Alors Philippe Verdun, comment vous avez reçu cet ouvrage? Et puis, même question, de la place des catholiques en politique, pour le simplifier. – m'a passionné à plusieurs titres. D'abord parce que je suis aumônier national des AFC, les associations familiales catholiques, qui sont probablement en nombre et en ressources les catholiques… militants les plus nombreux pour… – Et très impliqués dans… – Et très impliqués les plus nombreux pour combattre ces lois, pas simplement sous la forme de manifs, mais aussi pour rencontrer les élus, discuter, publier des documents. Donc. Et puis l'autre chose, c'est que comme j'ai travaillé sous un autre, vraiment dans un autre monde, à l'Élysée pendant 18 mois quand j'étais déjà dominicain du temps de Nicolas Sarkozy, ça m'a évidemment aussi beaucoup amusé de voir comment la politique, avec la gestion du court terme… finalement imposait un peuple, imposait des décisions, parce que finalement la PMA concerne, on pense, on aura peut-être des surprises, mais on pense 2000 à 3000 personnes, 2000 à 3000 femmes en France par année, c'est-à-dire 0,00001% de la population française, et on est capable de mettre la France dans les rues, le pays de cliver, comme on dit, alors que le président de la République, et c'est sa fonction d'ailleurs, hein, et doit rechercher l'unité, surtout dans un monde où on sent bien qu'il y a beaucoup de journalistes en ce moment parlent de cette haine qui monte. On le voit avec les pourcentages, le plafond de verre de Marine Le Pen qui a explosé, etc. Donc la libération de la parole dans les certains médias sociaux, sur Internet, etc. Donc ce drame pour Emmanuel Macron d'être le président de tous les Français et de chercher le consensus et de rechercher à faire une unité nationale, et en même temps la culture qui est sa culture, c'est un type qui a à peine 40 ans, la culture de l'individualisme. Il y a une demande d'individu et l'individu prime sur le bien commun. Parce que là, on fait des lois qui conditionnent votre vie, celle de vos enfants. Parce qu'il n'y a pas que la loi sur la PMA, même s'il y a toutes ces questions dont on a déjà beaucoup parlé. Est-ce que les cathos ont perdu… L'effacement du père, par exemple. Je vous pose une question un petit peu de rue, brutale et simpliste, mais est-ce que les cathos ont, avec cet épisode, PMA, GPA, définitivement perdu sur ces sujets-là, après le mariage pour tous?
on n'a pas fini d'avoir des surprises. Vous le dites Qu'est-ce très bien, Denis Pelletier. La surprise de ces catholiques qu'on avait déjà, qui n'existaient plus du point de vue politique, etc., qui d'un coup sont par centaines de milliers dans les rues, alors qu'ils ne défendent pas leurs intérêts. Ce n'est pas comme les cheminots qui défendent la prime d'escarbilles à cause du charbon. C'est pour le souci du bien commun. Donc on n'a pas fini d'avoir des surprises. Là, je suis évidemment d'accord avec vous, on le voit bien, les AFC ont des contacts en ce moment avec les sénateurs, les travaillent au corps, quel que soit leur bord, et on sent bien que les sénateurs, même ceux qui sont plutôt contre la loi, pour eux, l'enjeu qui est primordial pour un sénateur, l'enjeu, c'est les municipales. Donc l'étape là est donc la loi passera, donc ça c'est sûr. Mais ce que ça dit de capacité aussi des catholiques à intervenir dans les questions politiques, de le faire à leur manière, de le faire en masse. Et énormément de jeunes, ça je comprends aussi que Libération et les postes 68ards soient hystériques le journal Libération. Parce que ce qui est effrayant pour eux, c'est que la manifestation qu'il y a eu dans le quartier latin, moi j'étais très impressionné, j'y étais évidemment par le nombre de jeunes. C'était la technoparade des jeunes cathos. Comment répondez-vous à finalement, l'affirmation du père Philippe Vernin, il va y avoir des surprises, on n'est pas à l'abri de surprises sur ce dossier et à travers le prisme de l'intervention de catholiques explicitement en tant que tels dans ces débats. Alors, on n'est jamais à l'abri de surprises dans n'importe quel débat et on n'est jamais à l'abri de surprises dans n'importe quel sens. Et la première chose moi, que j'aurais envie de dire, c'est oui, sans doute. Mais encore une fois, y compris sur ces questions, le catholicisme, les catholiques sont un monde pluraliste. Et il y a ces couples il faut parler de ces couples homosexuels catholiques qui ont utilisé la loi sur le mariage pour tous pour essayer de donner une forme d'officialité à leur vie commune, leur longue vie commune, et éventuellement à chercher un prêtre qui accepte d'une manière ou d'une autre de confirmer cette officialité. Et ils n'en sont pas moins catholiques pour autant. Et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de catholiques qui sont favorables à la procréation médicale assistée et qui n'y voient pas un drame. Donc, encore une fois, là, je crois qu'il y a une vraie diversité dont il faut tenir compte. Après, oui, Alors là, je réagis véritablement en historien. Oui, on n'est jamais à l'abri de surprises, ni dans un sens, ni dans un autre. Et les jeunes, le fait qu'une jeune génération, contrairement à toute attente, qui pourrait être progressiste… Il faudrait travailler avec les… Il faudrait aller vraiment dans le détail de l'enquête sociologique, notamment sur ce qu'a été la Manif pour tous. Mmh. Et sur ce qu'est là aussi le… je pense que c'est des mouvements intergénérationnels. Mais je trouve que l'un des intérêts de ce… L'une des choses qui, pour moi, montre que ces débats, qui effectivement ne concernent directement qu'une hyper-minorité de la population française, c'est-à-dire les gens qui ont recours à la PMA sont vraiment peu nombreux. Donc, mais il se trouve que ça mobilise des ressorts de pensée, des ressorts de vie collective qui sont considérables. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est que toutes les classes d'âge sont divisées, et que d'une certaine manière, le clivage droite-gauche ne fonctionne plus comme il fonctionnait auparavant. Et c'est à travers ça, moi, que je vois… on n'est peut-être pas à l'abri de surprise, simplement parce que je pense que la géographie de nos désaccords, la géographie des désaccords entre Français ou entre Européens, ou entre partisans de la démocratie, cette géographie est en train de se recomposer à travers ce type de débat. Une dernière question, parce que déjà nous arrivons à la fin de l'émission. Question piège, courte, mais je vous demande de répondre à votre façon, chacun rapidement. Devant toutes ces évolutions, on pourrait passer toute la nuit en discuter, le livre ouvre beaucoup de portes, on n'a pas pu parler suffisamment de l'interview avec Martin Stephens. Faut-il consentir ou faut-il refuser? Quelle est la juste position? On commence par vous, Père. Faut-il consentir à ces évolutions en disant finalement c'est la force des choses. Moi j'ai beaucoup aimé aussi la deuxième partie du livre avec ce philosophe Martin Stephens, parce que justement il dit notre tradition catholique c'est une tradition de communion, et on peut
ce que vous dites aussi, Denis Pelletier, on peut, dans une même paroisse, avoir des gens qui sont réactionnaires au sens noble, c'est-à-dire qui disent que les choses vont trop vite et trop loin, et ils ont, à mon avis, ils ont pas tout à fait tort de le dire, on est embarqué dans une espèce de ça va trop vite, et en même temps, avec ce souci de communion, de comprendre, ça les catholiques, je trouve, font un magnifique travail de comprendre en même temps la situation qui peut être dramatique de l'autre, de celui avec lequel ils ne sont pas d'accord du point de vue des idées. – Denis Pelletier, alors elle n'a peut-être pas bien posé ma question, consentir ou refuser, est-ce que c'est ça la problématique? – Ah, ça en est sûrement une, oui. Pour moi, c'est aussi… Enfin, c'est la phrase de Charles, de René Charles, le oui éclaire le visage, le non lui donne la beauté. – Et Louvet Montséville, comment vous répondez à cette question en quelques mots ?– Difficile, mais ce qui est sûr, c'est que le défi des catholiques, c'est à la fois de dire ce qu'ils ont à dire sur ce monde, sur ces évolutions, et en même temps, c'est aussi d'accueillir ceux qui y naissent. Quelles que soient leurs conditions de naissance, quel que soit le milieu, leur mode de naissance. Et donc parfois ce grand écart peut être un peu douloureux, mais je pense qu'il faut qu'ils le fassent. Merci Lou Béon-Senneville et à Martin Steffens, qui n'est pas là sur ce plateau, mais que nous connaissons bien. Et si c'était la fin d'un monde, enquête et entretien sur la loi de bioéthique 2020, PMA, GPA, fin de vie, un spécialiste de bioéthique, un philosophe en dialogue, c'est chez Bayard. Merci. Philippe Verdun, père Philippe Verdun, mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu, chez Auxerre, donc cette introduction à Tolkien, au Seigneur des Anneaux, monde fabuleux, et vous nous avez donné le goût d'aller plus loin ce soir, et merci à vous, Denis Pelletier, les catholiques en France de 1789 à nos jours, chez Albin Michel, une magistrale entreprise, revisitation de cette histoire catholique française, mais où on comprend au fond cette société dans laquelle nous vivons avec toutes ces questions, tous ces débats. Merci de votre fidélité à cette émission. Parlez-en autour de vous. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur Internet, évidemment sur les sites de KTO, de la Procure ou du Jour du Seigneur. Elle est rediffusée aussi sur KTO. Abusez-en et surtout lisez bien. Très bonne soirée. Au revoir.